Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue sur No Man's Sky pour la mission hebdomadaire, heureux de vous retrouver. Oui, c'est bon, elle est là, on y va. Donc j'espère que votre week-end commence bien, allez on y va. Allez go. Pareil. Alors ils vont nous parler sûrement de Ariane. On va attendre qui c'est qu'on doit aller discuter de notre ami Mercure au portail. Qui est assez logique puisqu'elle a dû prendre le portail. Je me questionne souvent sur la nature de notre existence, adepte des portails. Ce que la disparition récente d'Ariane signifie pour nous. Certains pensent que les voyageurs partagent la même âme, divisée en d'innombrables itérations et univers. Comment nous aurions pu être si nous avions vécu différemment? Alors, à la même mission. Mercure soupire fatigué mais acquiesce tout de même. Bien sûr, la grande œuvre doit passer en premier. Nous avons localisé le vaisseau... Ah, après elle est partie en vaisseau finalement. Enfin, nous en avons localisé des centaines dupliquées réparties à travers l'univers connu. Le réseau de portail est une chose dangereuse, brisée. Tu dois être prudent en suivant ces étapes. Communier avec les pierres de savoir, d'accord. Ok. Très bien. Donc elle est partie en vaisseau. Ou alors elle a pris un portail pour rejoindre son vaisseau. Enfin on verra bien. Et il m'a fait changer de système malgré que j'avais des pierres. Ah, une nouvelle découverte, très bien. Deux planètes. Ok. Il ira vite à explorer la prochaine fois. C'est-à-dire mardi. Ok, très bien. Donc c'est pas sur celle-là, donc c'est sur l'autre. Alors c'est quoi comme planète? Suzanne, elle s'appelle. Ah, elle a plus une planète tempérée. Ah, c'est cool. Avec des lacs, ça c'est bien. Ça je vais mettre là si jamais je recherche de la terre ferme. Je vais mettre un repère. Ok. Déluge torride. Alors, des pierres maintenant. Oh, pas mal, il y en a déjà 3 là-bas. Eh bien, allons-y. On lit toujours les mêmes textes. Alors.
soulagement m'envahit lorsque la tonalité du son décroît, devenant un accord musical agréable et harmonieux. Dans ma tête, chaque note de cet accord s'associe à un glyphe. Après, ici, 220 et 121. On va d'abord faire celle-ci. Voilà, c'est le même texte. Là-bas. Ok, ça on l'a déjà eu. Regardez combien il y a d'animaux. Ah, 14 espèces. Yes. Il n'y a que 4 sous-marins. Ok. Donc il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y aura de grande profondeur. Alors, très bien, allez-y. Non, planète exotique. Alien, c'est celle avec les trophées. Exotique, c'est celle chromatique. Un vaisseau écrasé. Très bien. Ah, c'est peut-être le vaisseau d'Ariane. Peut-être, attention. C'est peut-être le vaisseau d'Ariane. Une capsule d'oxygène, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est bien ça. Le vaisseau d'Ariane se trouve devant moi. Mon exo me hurle de reculer, à laisser de me sauver de l'infection. Ah ouh, les infections. Les abysses sont devant nous. Ils demandent une offrande, ils demandent davantage. Des sacs de venin. L'infection.
Un vaisseau infecté. Oh là, c'est quoi cette histoire? Ouh là, ça promet encore des trucs. Ah, on aurait pu choisir un meilleur vaisseau quand même. Alors, des trois. Allez, ils sont là-bas. Ah, ce que je vais faire. Je vais refabriquer ça. Je vais mettre les... Je vais installer les... Je vais installer les améliorations. Alors, mon ami... Carbone. Ah, j'ai même pas assez, quoi. On a quoi? 19 de cadence de feu, puissance d'arme. Je vais virer celui-là. Ah non, je peux virer le A. Voilà. Les câblages. Je vais dans mon exocombi. Alors, donc là c'est le laser. Puissance d'extraction. Ok. J'ai enlevé un B. Voilà. Ah, ça s'améliore là. Puissance d'extraction et efficacité du laser. Ok, très bien. Les câblages, je vais les remettre dans le Minotaur. Comme ça j'ai 3. Ah merde, il manque encore une case. Carbone condensé. Voilà, comme ça. Allez, allons récupérer les sacs de venin. Ça va piquer. Ah et merde, bien sûr, on est pris en chasse. Allez, on fuit. Fuyons! Fuyez, pauvre fou. Ah non, sur relique souterraine. Ah
Ah, et maintenant, des reliques souterraines aussi. Ah, zut. On était bien parti là, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Pas beaucoup de sacs de vin, hein. Ils ont mis deux juste à côté du port, enfin juste à côté du vaisseau, mais après bon, ça va pas être la galère, j'espère. Sinon je couperai le... Je couperai la vidéo, je ferai plus court. Si je galère pendant je sais pas combien de temps là. Puis s'il en faut 16. Là, il y a un temps, juste un temps pourri en permanence. Déjà complété au niveau des mots. Plus tempête extrême, super. Ah, alors ici, je pense que c'est bon. On doit tout avoir. Ah merde. Qui lui dit hydrogène. Du coup ça mettre dans le cargo. Voilà. Ok, on a tout, c'est bon. J'ai enfin fini cette quête, enfin, j'ai enfin récolté tous les matériaux, parce que j'ai mis un nombre fou de kilomètres pour le finir. Ah, pas impossible, ok, enfin, on se barre. Ok, très bien. Ouais, elle est là-bas, là. Il a fallu que je fasse des kilomètres à pied. Et c'est un truc de fou. J'ai eu trois clusters, j'ai réussi à le finir, mais ils sont très 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 éloignés. Il y a très peu de points de récolte.
Et on y a quand même, on est quand même arrivé. Il a fallu que je fasse des sous. Il a fallu que je prenne le vaisseau pour faire des sous parce que c'est vraiment dans quelques zones quoi, mais vachement très très éloigné. Alors le vaisseau, mon exocuvier a essayé de me sauver. Elle essaye de me sauver de l'infection, d'accord. Donc le vaisseau d'Ariane est infecté. Il demande une offrande, il demande davantage. Tiens, la petite sac de venin. La corruption quitte le vaisseau et avec elle un millier de répliques disparaissent parmi les étoiles. Je lis le journal de données. Avant le fractionnement de sa réalité, ce vaisseau était entré en contact avec un étrange grand cargo dans les ténèbres entre les soleils. Oula, ça se complique. Son seul occupant a réussi à s'échapper avant l'accident. Ariane est toujours ici, d'une manière ou d'une autre, quelque part. Alors mon ami est toujours en vie. Oh là, ça devient très compliqué pour moi de comprendre. C'est un truc de fou. Allez, on va retourner à l'anomalie. Et de retour. Allez, on va aller rendre cette quête. Ok, très bien. Une batterie de bouclier stellaire. Bon bah c'est cool. Bon, on va cesser là-dessus les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour ne rien rater de mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc demain pour le live sur The Last of Us partie 2. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao, ciao. Bon week-end.